En discutant avec plusieurs copines et plusieurs femmes, je me suis rendu compte que le sujet n'était pas si connu que ça et que ça valait donc vraiment le coup d'en faire une vidéo. Je trouve même que c'est le genre d'information dont on manque cruellement et que si on y avait accès dès notre plus jeune âge, c'est quelque chose qui pourrait permettre à toutes les femmes de se sentir bien plus à l'aise dans leur corps et pour tout le reste de leur vie. Bon d'accord, c'est fini pour le suspense. Aujourd'hui, on va parler de flux instinctif. Dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps qu'est-ce que le flux instinctif. Ensuite, on va s'intéresser à pourquoi le pratiquer, pourquoi c'est intéressant. Et ensuite, on va finir par comment on fait, concrètement, comment ça marche. Le flux instinctif, c'est le fait de contracter le périnée en période de règle afin de réussir à contenir le sang dans son corps et pouvoir le relâcher quand on le décide. Donc la plupart du temps, on va dire aux toilettes. Quand cette technique est maîtrisée, elle peut permettre de s'affranchir de toutes les protections hygiéniques. Donc que ça soit serviette, tampon, cup, culotte de règle, serviette lavable, tout ça, on peut s'en passer. Mais évidemment, ça n'arrive pas dès le premier cycle et ça demande un petit peu de pratique. Le flux instinctif peut également être appelé continence menstruelle et Mélissa de la chaîne YouTube Cyclo Intima en parle très très bien. Elle explique que les bébés et les jeunes enfants apprennent à être propres, apprennent la continence. Ce n'est pas quelque chose d'instinctif comme de cligner des yeux ou de respirer, mais ça nécessite vraiment un apprentissage où le parent va expliquer à son enfant comment faire et puis après il y aura la phase où on va retirer les couches petit à petit et il y aura peut-être quelques ratés, mais c'est ça qui fait partie de l'apprentissage et qui permet d'apprendre la continence. Et en réalité, c'est exactement la même chose pour le flux instinctif slash la continence menstruelle, sauf qu'on ne nous en a jamais parlé et qu'on ne nous l'a jamais appris non plus. Quand on a nos règles pour la première fois et qu'on est jeune fille, on nous fournit des protections et forcément on devient dépendante de ces protections. Surtout qu'on nous les donne comme la solution miracle pour ne pas se taper la honte ou encore pour que surtout personne ne voit qu'on a nos règles. Et parfois on ne sait rien de plus que ça, on sait qu'une fois par mois on va perdre du sang et que donc il faut mettre des protections. Et la majorité du temps, l'apprentissage sur les règles se résume à ça. Point. C'est tout. Mais il est possible de faire les choses différemment et surtout il n'est jamais, mais alors jamais trop tard pour faire les choses différemment. J'avais partagé une fois en story sur Instagram une information sur le flux menstruel que j'avais vu passer et c'était écrit en tout petit, c'était sur un post où il y avait plusieurs alternatives zéro déchet et là il y avait un petit flux instinctif qui se voyait presque pas. Et il y a une abonnée qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Ah mais c'est vraiment n'importe quoi le flux instinctif, c'est vraiment des très grosses conneries, depuis quand est-ce qu'on peut maîtriser son flux par la pensée ?» Mon médecin m'a dit que c'était vraiment n'importe quoi. Alors déjà non, non, non et renom. On ne contrôle pas son flux par la pensée, on n'est pas dans Harry Potter, il n'y a absolument rien de mystique là-dedans en fait. Donc maintenant qu'on écarte ce genre de fausse croyance qui ne nous sert à rien et qui est totalement fausse, eh bien on peut rentrer dans le vif du sujet en voyant déjà quels sont les avantages de pratiquer le flux instinctif et ensuite comment on fait concrètement. Vous êtes peut-être en train de vous demander, mais quelle est l'utilité de faire l'effort et de contracter son périnée pour retenir son sang, alors qu'aujourd'hui, il existe des protections pour justement réussir à le contenir? Eh bien, il y a une phrase que j'aime énormément dans la vidéo de Mélissa qui dit que quand on pratique le flux instinctif et que l'on va s'affranchir des protections, eh bien tout simplement, ça redevient gratuit d'être une femme. Cette phrase, je la trouve particulièrement puissante et juste. Alors bon, ça fera plaisir à notre porte-monnaie, mais c'est pas ça l'important. L'important vraiment, l'essence de cette phrase, c'est le fait que cette technique peut permettre de redonner de la liberté et le contrôle aux femmes sur leur corps. La médicalisation de la femme est un vrai sujet dans nos sociétés. Et si jamais le terme ne vous dit rien, je vous invite à aller vous renseigner parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à comprendre et à savoir sur le sujet. Parce que oui, aujourd'hui, il y a un vrai suivi tout autour de la vie des femmes et en particulier de leur vie sexuelle. Il y a un suivi sur les règles, sur la contraception, sur la grossesse. Alors ça peut être très positif, surtout quand on a des difficultés à gérer, etc. Et en particulier pour la grossesse, c'est quand même une belle avancée de pouvoir accompagner les femmes. Mais en ce qui concerne les règles et la contraception, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui est en train de subtiliser un savoir et un pouvoir qu'on a depuis le début et qu'en fait, on ne nous enseigne pas, on ne nous enseigne plus. Reprendre son autonomie sur le sujet des règles et de la contraception peut être une grande source de libération et de confiance en soi pour les femmes. On nous a si souvent fait peur avec ces sujets-là, peur d'avoir une tache sur son pantalon pendant les règles et de se taper la honte, peur d'être enceinte, qu'en fait on est sans arrêt dans la peur par rapport à ces sujets-là qui touchent à notre corps. Et forcément, on ne les vit pas bien, parce que c'est comme ça qu'on nous a appris, on nous a appris de la peur, de la honte, et c'est tout.
Rien dans notre société ne nous explique clairement les choses avec bienveillance et surtout avec le but de nous rendre sereines et autonomes dans notre corps. Le discours ambiant nous fait croire que nous sommes prisonnières de notre corps et nous vivons tout ça comme des contraintes. Et pendant des années, je l'ai aussi vécu comme des contraintes. La contraception était une véritable prise de tête parce qu'à partir du moment où on se dit qu'on n'a plus envie d'avoir d'hormones dans son corps, par exemple, on a l'impression qu'il nous reste plus de solution et on se retrouve assez démunis. Et moi, j'ai passé des mois et des mois à me renseigner avant de trouver une technique qui soit vraiment adaptée à moi. Mais justement, on n'est pas obligé de voir les règles et la contraception comme une contrainte. On peut choisir de réécrire ses propres règles du jeu et d'enfin trouver une solution qui soit totalement adaptée à soi. Aucune femme ne devrait se sentir obligée de quoi que ce soit, et en particulier quand il s'agit de son corps. Prendre conscience de tout cela est déjà un grand, un énorme pas vers la libération de soi-même et avant de passer à la pratique. Quand je passe à la pratique, ça va être de changer ses habitudes de protection hygiénique, choisir des serviettes lavables ou des culottes de règles, ou encore choisir une contraception naturelle. Mais la prise de conscience, c'est vraiment la première étape vers tout ça. Peut-être que tout cela et que ce discours est totalement nouveau pour vous. Et si c'est le cas, prenez le temps de digérer ça, prenez le temps de réfléchir. Et surtout, si vous avez des questions à me poser ou à poser à toutes les autres femmes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager votre ressenti, votre expérience. Surtout, partageons parce que c'est comme ça que les sujets deviendront de plus en plus naturels. Et maintenant que toutes ces bases ont été posées, je vous propose de passer à l'aspect pratique. Comment est-ce qu'on pratique le flux instinctif ? Il est possible que vous le pratiquiez déjà sans le savoir, mais on n'est pas sur un résultat exact, à savoir absolument retenir 100% de son flux menstruel. Personnellement, je le faisais déjà avant de connaître la pratique ou même de savoir que ça portait un nom, mais je ne le faisais pas à 100% et je ne le fais toujours pas non plus à 100%. Il y a plusieurs étapes dans la découverte de la pratique du flux instinctif ou de la continence menstruelle. La toute première étape est d'en prendre conscience, que quelqu'un vous dise « Tu sais, tu peux pratiquer un truc qui s'appelle le flux instinctif » et qui est en fait le fait de contracter et de décontracter le périnée quand tu es en période de règles, afin de te permettre de relâcher le sang quand tu veux. Sache que cette technique existe, que tu peux le faire si tu en as envie, tout simplement, ou tu peux ne pas le faire si tu n'en as pas envie, mais sache simplement que tu as ça en toi et que tu en es capable. C'est biologique, c'est scientifique, c'est tout simple. Et le fait d'avoir accès à cette information va débloquer quelque chose de l'ordre de la psychomotricité et va permettre une influence sur ton cerveau et sur ton corps. Et ça déjà, c'est déjà pas mal, parce que la majeure partie des femmes avec qui j'en ai discuté ne connaissaient pas le flux instinctif. La deuxième étape, et Mélissa en parle très très bien sur sa chaîne, ça va être de changer de protection. Il y a un moment où l'enfant, quand il apprend à devenir propre, il faut lui retirer les couches. Et bien là, ça va être pareil. On va changer nos habitudes et dire adieu aux serviettes et tampons et toutes les protections jetables pour plutôt nous tourner vers des alternatives qui sont lavables. Des serviettes lavables ou des culottes de règles. Serviettes lavables, ça peut être intéressant au début si vous avez moins le budget pour des culottes de règles. En fait, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va s'affranchir de ces protections pour se tourner vers une autre solution. Pourquoi faire ça ? Parce que psychologiquement, ces nouvelles protections vont devenir le support de notre expérimentation. Et on ne va plus être en train de consommer des protections comme étant notre bouée de sauvetage devant absolument contenir tout notre flux. Parce que sinon, on est foutu et qu'on a des taches partout. La troisième étape va être tout bonnement l'expérimentation. Donc le fait de réussir à contracter et décontracter son périnée. Donc vous pouvez le faire, là, en regardant cette vidéo. Personne ne va vous juger. Voilà, essayez. C'est bon, on peut continuer. Si vous n'y arrivez pas, eh bien c'est tout à fait normal, c'est pas grave du tout, c'est comme n'importe quel muscle. Si on n'a jamais fait d'abdos, ben on va pas vraiment savoir comment on contracte ses abdos. Donc c'est comme tout, ça demande de la pratique, de l'expérimentation, et c'est comme n'importe quel muscle, plus on le travaille et plus après ça devient totalement naturel de contracter et de décontracter. Si tout ça est totalement nouveau pour vous, sachez qu'il y a des techniques de respiration pour apprendre à contracter son périnée. Donc ça va être utilisé généralement après la grossesse, mais on n'a pas besoin d'attendre la grossesse pour être musclé et avoir le périnée musclé, parce que c'est quelque chose qui va nous aider pendant tout le long de notre vie de femme. Pour les femmes qui ont déjà eu des enfants, elles ont peut-être fait affaire à des sondes pour rééduquer leur périnée. C'est encore une autre technique. Vous avez aussi l'option de l'œuf de yoni pour muscler le périnée, mais là c'est encore toute une autre chose et je vous conseille de bien vous renseigner avant de choisir l'une ou l'autre technique. Ma technique préférée, que je trouve la plus simple et la moins prise de tête, parce que attention, je peux être une très très grosse flemmarde et je vais pas m'entraîner en dehors de mon cycle. Ce que je vais faire plutôt, c'est que quand j'ai mes règles, je vais m'entraîner à savoir qu'est-ce qui se passe dans mon corps
avec les années, c'est super simple parce qu'au final, je l'ai fait instinctivement depuis longtemps, mais vous pouvez reprendre là où vous en êtes. Donc le principe, ça va simplement d'être de sentir ce qui se passe dans son corps, sentir quand le flux est en train de couler et réussir à contracter. Réussir à contracter afin de contenir, de pouvoir aller aux toilettes et ensuite de relâcher aux toilettes. Donc, la meilleure des choses, c'est d'essayer de chez soi la première fois, mais vous pouvez aussi très bien essayer si vous êtes au boulot et que vous avez une protection, vous ne risquez pas grand-chose. Simplement, quand vous sentez que c'est le moment, vous allez aux toilettes pour essayer de relâcher par vous-même. D'ailleurs, c'est mieux de réussir à sentir légèrement avant, parce que comme ça, ça évite que le flux se barre tout seul sans qu'on lui ait demandé. En testant cette méthode, vous allez d'abord changer de ratio. Ça, je pense que ça peut être vraiment accessible à n'importe quelle femme. Donc au lieu d'avoir 100% de votre flux menstruel qui est récupéré dans des protections, eh bien peut-être que vous allez réussir à en expulser 30-40% par vous-même et votre serviette ne vous servira plus qu'à retenir 60%. Plus vous testerez et plus vous serez à l'aise et plus vous libérerez de plus en plus de flux par vous-même quand vous le déciderez jusqu'à ne plus avoir besoin du tout de protection si jamais c'est votre souhait et que vous vous entraînez pour ça. Personnellement, je suis une grande fan des culottes de règles et je pratique également le flux instinctif en même temps afin de pouvoir tenir ma culotte de règles un peu plus longtemps dans la journée. La vie est une question de choix. On peut décider de pratiquer le flux instinctif ou pas du tout. On peut décider de le pratiquer un petit peu ou passionnément et c'est totalement ok aussi. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le choix, d'avoir accès à l'information et de décider ou non de ce qu'on en fait avec toute la liberté. Je pense que ce genre d'information devrait être accessible à toutes et à tous pour que les hommes puissent mieux comprendre les femmes. Et si tu es d'accord avec moi, je t'invite à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux ou même en message privé, peut-être à ton amoureux ou ton amoureuse, à tes amis ou même à ta grand-mère si ça te fait plaisir. J'espère que ce sujet vous a plu, je compte aborder encore plus souvent des sujets féminins parce que pour moi c'est comme ça qu'on peut réapprendre à être bien, à être épanoui dans son corps. Donc c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur et que je vais développer sur cette chaîne. Donc si ça vous intéresse, surtout abonnez-vous, il y a des liens un petit peu partout, cliquez, abonnez-vous, comme ça vous ne raterez aucune vidéo et on pourra continuer de grandir tous ensemble. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.